Alors, comment vous faites? Eh bien là, on récupère la nacelle, là, ils ont fini. Là. Tu vas le faire maintenant? Non, ils te la reprendront. Si tu dis, je laisse la nacelle, je vais manger, tu reviendras, il ne sera plus. Aux dernières heures de préparatif, Jean Boucher est sur tous les fronts. Le festival à Luna, c'est son bébé, son rêve devenu réalité, celui d'attirer des dizaines de milliers de personnes au beau milieu du Sud Ardèche, loin des grands axes, pour des programmations prestigieuses et familiales. En 10 ans, le patron de camping a réalisé un pari fou. Ah, c'était différent, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. 1300 personnes pour Jennifer. Le lendemain, Moricanté, on annule la pluie. Et le samedi, Mouvrini, 900 personnes. Rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Ah ben Louis Bertignac, c'est un garçon magique parce qu'il arrive, il fume sa cigarette dans le public, puis demi-heure après, il est sur la scène. Et demi-heure après le concert, il est de nouveau avec le public de l'autre côté, au crash barrière. C'est un mec bien, c'est un mec que j'adore. On m'a demandé de devenir réaliste. Vous savez que je rêve de YouTube, mais à 29 000, on ne peut pas les avoir. Donc aujourd'hui, je dis à mon public, on va encore rêver, mais ça peut rester un rêve et ça sera sûrement un rêve. Sauf si on arrivait à... Voilà, on ne sait jamais. Le dernier rêve de Jean Boucher, c'était d'accueillir Johnny Hallyday. Il revient samedi pour la deuxième fois.